Aujourd'hui, en ce jour de décembre, eh bien, on va parler de la période préférée des petits mômes. Ouais. Et ces fantastiques Père Noël qui sont toujours là pour relancer l'économie au bord de la crise. Non ? Ah, non ? Ah merde ! Dieu n'a pas encore inventé les Père Noël ? Non ? Bon, voilà, Noël, c'est vraiment une fête génialissime. Par exemple, allons en Australie, un pays très très connu pour ses trucs exotiques. Bon, pour pas vous le cacher, eh bien, un serpent ultra mortel, dangereux et tout ce que tu veux, eh bien, c'est réfugié dans un sapin. Ça, ce n'est pas très grave. C'est surtout que l'Australienne n'avait pas eu peur du tout. Genre, ça serait la fin du monde, ça, elle n'aurait pas peur non plus. Bon, eh bien, c'est très bien, un premier truc de génialissime. Continuons avec les délires sur Noël, avec cette plante de cannabis. Une plante de cannabis tout à fait normale. Déguisée en sapin de Noël. Genre, elle s'est achetée toute seule les déguisements en allant dans un magasin de Noël, enfin bon, pour faire joli à cette période. Non, en fait, les propriétaires de ce truc-là, eh bien, ils l'ont déguisé pour pas se faire repérer. Et c'est bien joué, puisque ils viennent de se faire arrêter par la police. Ils auront une lourde amende et pas de cadeau, bien évidemment, parce qu'ils étaient pas très sages. Et ensuite, revenons chez nous, où, à propos du Père Noël, eh bien, on a quelque chose de super génialissime. Encore une fois, en fait, c'est un mec tout à fait normal qui se déguise en Père Noël. Alors que tout le monde sait, bien évidemment, qu'un Père Noël se situe en Finlande. Mais attendez, ensuite, il rentre dans la cheminée d'un inconnu, et cet inconnu appelle la police, bien évidemment. Et après, bien sûr, il s'est fait arrêter. Et là, quand il passe devant les juges, il est encore bourré, c'est pas possible ça. Non mais vous pouvez pas punir le Père Noël parce que sinon il y aura plus de bonheur dans le monde. D'ailleurs, en parlant de Finlande, eh bien parlons du vrai Père Noël cette fois-ci. Ah, il n'existe plus? Eh oui, le capitalisme a fait que on ne peut plus voir le Père Noël à cause des dettes de plusieurs milliers d'euros. Voilà ce que c'est la vie en 2017. Et là vous vous dites, mais où est réinvesti tout l'argent du peuple? Eh bien chez Emma c'est elle quoi, oui elle, qui a offert à ses enfants le nombre faramineux de 280 cadeaux de Noël à 1800 euros. Alors pour sa défense, eh bien elle dit ne rien offrir le reste de l'année. Bon, à part qu'on oublie les anniversaires également, eh bien on peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans ces putains de cadeaux. Eh bien en fait, c'est peut-être qu'elle voulait buzzer. La conne. Voilà, c'est la fin de ce délit, c'est des informations internetisées plutôt spécial Noël en vous souhaitant de joyeuses fêtes de Noël, n'est-ce pas? Parce que bon, voilà. Pourquoi je dis ça? Écoutez, le capitalisme et tout, enfin bref. Salut à tous et à la prochaine.